Le prince Harry était bel et bien présent lors du couronnement de Charles III, mais quelques heures seulement après son arrivée, le duc de Sussex est reparti aux États-Unis. Selon un expert royal, père et fils regrettent le déroulé du couronnement, ce fut un jour historique. Ce samedi 6 mai 2023, Charles III a été couronné roi d'Angleterre devant plus de 2000 invités, assis dans l'abbaye de Westminster. Parmi eux, le prince Harry, venu des États-Unis, sans son épouse Meghan Markle et leurs deux enfants. Assis au troisième rang, loin derrière le prince William, le duc de Sussex a été mis à l'écart du reste de la famille royale. Mais selon un expert royal, le roi Charles III et son fils ont regretté la façon dont s'est déroulé le couronnement. Russell Myers a en effet indiqué au Mirror, « Je pense que nous pensions tous qu'il entrerait et partirait mais après 24 heures. Je veux dire, il avait évidemment l'excuse de l'anniversaire de son fils pour y retourner, mais s'y est-il, très révélateur. » Selon cet expert royal, l'anniversaire du fils du prince Harry a été une bonne excuse pour rapidement fuir le pays. Je veux dire, qu'aurait-il pu être si son départ de la famille royale n'avait pas été aussi acrimonieux? Aurait-il pu ne pas être relégué au troisième rang? Honnêtement, je ne pense pas qu'il le serait. Il aurait pu aller à la réception où j'imagine que nous verrons des photos plus tard dans le portrait officiel du couronnement, et si est-il vraiment dommage? Indépendamment de la façon dont les choses ont été traitées, je pense qu'il y a probablement des regrets des deux côtés. Le prince Harry refuse l'invitation de Charles III pour participer à un repas, même si les tensions sont toujours palpables entre le prince Harry et son père. Le duc de Sussex a été vu en train de prononcer les mots « Dieu sauve le roi Charles ». Vive le roi Charles. Que le roi vive pour toujours. Toutefois, le mari de Meghan Markle ne s'est pas rendu au repas organisé pour la famille royale, après le couronnement. Bien qu'invité, le prince Harry a préféré décliner l'invitation, pour le plus grand regret de son père. À propos de l'auteur-roll passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles Estomac Pesquet Furieux, Ferrarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mariés? Ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une personne.